à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, évidemment, il faut parler des élections du 7 juillet, puisque ça va être le dernier tour, le second, et qu'après ce tour-là, peut-être que l'on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Je trouve que la gauche, qui a ressuscité d'abord le Front populaire, puis ensuite le Front républicain, et qui finit maintenant avec l'Union de la gauche, hein, on retrouve l'Union de la gauche, a été finalement beaucoup plus rusé, beaucoup plus maligne que prévu. Alors Mélenchon était infréquentable début juin, rappelez-vous ce que disaient Macron, Attal et compagnie, et à fin juin, eh ben, ça y est, il est fréquentable, et même mieux, on s'allie avec. Donc on va avoir vraisemblablement grâce à cela une majorité de gauche qui va se dessiner après coup, bien que on ne sait pas s'ils arriveront tous à se mettre d'accord, parce que vous savez, chez ces gens-là, l'ego prime sur tout le reste. Hein. La France, ils n'en ont rien à secouer, mais leur ego, oui, ils en ont. Ça, c'est important, leur ego. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais le problème numéro un de ce système, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, aujourd'hui, le Rassemblement National et cette gauche. Parce que cette gauche, aujourd'hui, c'est elle qui représente le racisme, l'anti-France, l'antisémitisme, la haine, et finalement qui collabore avec une religion qui ne nous veut pas du bien et avec laquelle on ne peut pas bien vivre ensemble. Parce que ça, c'est clair, hein, tout le monde le dit, c'est pas du racisme, et même si ça doit en être, c'est pas grave, puisque c'est la réalité. Donc, à part ça, c'est quand même scandaleux l'attitude des journalistes, des médias français, qui font comme si de rien n'était, comme si la gauche n'avait pas changé, évolué, et comme si, par contre, de l'autre côté, c'était toujours 1945, hein, 1930 même. Or, on voit très bien comment cela se dessine. La gauche a enfumé tout l'électorat français avec un discours complètement surréaliste, avec des ententes incroyables. On a même, il va avoir le prix de l'hypocrisie politique, M. Le Maire qui dit qu'il appellera à voter pour des candidats écolo-socialo-communistes, mais pas LFI. Alors là, il est fort le gars, parce qu'il m'expliquera comment dans une alliance, il va découper le candidat alors. Hein, comment il va faire? On ne sait pas. Normalement, de bons journalistes, de bons médias devraient dire « Monsieur le maire, vous êtes un peu hypocrite sur le coup. Hein. » Non, il n'y a pas un mot, au contraire, c'est bon. On voit ailleurs des gens qui, pourtant, après le 7 octobre et l'attitude de Mélenchon et de sa bande, avaient été choqués, hein, c'est le moins qu'on puisse être, et qui aujourd'hui s'allient avec, je pense à Madame Braun-Pivet, qui, à Maison Lafitte, va s'allier avec le candidat de la fameuse gauche en question qu'elle décriait tant après le 7 octobre. Elle a même été insultée à plusieurs reprises, d'ailleurs, par ce mouvement, sous prétexte qu'elle avait fait un voyage en Israël. Donc, on est dans un système politique pervers, mais qui consiste à noyer le poisson, de façon à faire croire que le grand méchant loup est devenu le petit chaperon rouge. C'est la fable de tous les temps, c'est le conte de tous les temps, et en politique, franchement, ça fonctionne à tous les coups, c'est extraordinaire. Je me dis, mais comment c'est possible? Parce que les gens commencent quand même à voir ce qui se passe chez eux. Il y a de plus en plus de villes invivables en France, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on n'en parle pas à la télé que ça n'existe pas. J'ai des témoignages de partout, de gens qui me disent, on ne peut plus vivre ici, qui s'en vont, qui quittent leur ville, parce que c'est devenu impossible. Et ces gens-là, ils vont quand même voter à gauche. Je me dis, bon, alors ils ne comprennent rien. C'est pas la peine, on ne pourra plus rien faire pour eux. Ils ont tous déjà regardé Macron, Attal et compagnie, ils ont tous oublié leur déclaration de début juin. C'est fini, ils ont tout oublié, ils sont complètement amnésiques. Voilà, ce sont de grands amnésiques. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont perdre? Parce que là, on est en train de perdre tout.
Parce qu'avec un type infréquentable comme Mélenchon, il n'y a pas d'accord possible normalement. Hein. Si on est quand même un peu de dignité, messieurs les politiques, là, qu'est-ce que c'est que ce truc, hein. Le danger, c'est pas Marine Le Pen, Bardella ou Ciotti. Le danger, c'est Mélenchon et sa clique. Hein. Parce que relisez ce qu'ils ont dit, relisez ce qu'ils ont écrit, voyez leurs manifestations, c'est du concret, là. Hein. C'est pas des on-dit. Alors, il faut arrêter. Hein. Je rappelle, pour ceux que ça intéresse l'histoire, qu'en 1930, Hitler était infréquentable. Pas question qu'il rentre dans un gouvernement, pas question le pouvoir pour lui. En 1933, quand le chancelier du moment a eu des problèmes électoraux, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a pris le parti d'Hitler, hein, 10%, et il se l'est mis au gouvernement pour pouvoir rester. Et on a vu le résultat après. Mais on est en train de faire exactement la même chose. Hein. Et puis si on me dit « Ouais, mais tu compares Hitler et Mélenchon, c'est pas bien. » C'est très bien. C'est très, très bien. Parce que c'est la même finalité. Hein. Ils ont les mêmes discours, les mêmes haines. Donc, quand je vous dis tout cela, je me dis « Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut dire pour que les gens comprennent que l'ennemi aujourd'hui, c'est pas le Front National, le Rassemblement National, c'est pas l'extrême droite ?» dont on nous rabat les oreilles, c'est la gauche LFI, la gauche alliée, réunie, l'union de la gauche, qui brade la France 100%, parce qu'il faut voir ce qui se passe, elle a bradé la France complètement, cette gauche, depuis 2012, elle l'a fait un peu avant, mais depuis 2012, Hollande, puis Macron, là, c'est le pompon, là, on est au top. Alors, si au moins ces gens-là, économiquement, avaient de la réussite, si on payait moins d'impôts, si on payait moins de taxes, si on était plus en sécurité, bon, on se dira après tout, c'est une idéologie qui en vaut une autre. Mais ce n'est pas le cas, puisque tout va mal. L'économie capoute, l'insécurité totale. Hein. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Et on peut encore voter pour ces gens qui nous ont fait ça ? Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Hein. Je rappelle quand même hein, que depuis l'arrivée de Macron, ça a commencé un peu avant avec Hollande, toutes les taxes, je dis bien toutes les taxes, donc les impôts sur les produits énergétiques, ont flambé, c'est le cas de le dire. Alors, ce sont quand même des choses qui touchent tout le monde, tous les jours. Hein. Alors, je peux vous donner les noms. Il y a l'essence, il y a le gaz, le fioul, le gasoil, le tabac, l'eau, l'étain, l'électricité, etc. C'est quand même un fait, ça. Ce sont eux qui ont surtaxé tout cela. À un moment donné, le gaz, il n'arrêtait pas d'augmenter, que ce n'était pas possible. C'est parce que c'est le gaz qui a le plus augmenté avant que ce soit l'essence et les autres. Et pour qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a eu, nous ? Rien. En plus, là, vous avez des gens qui ne s'intégreront jamais en France parce qu'ils n'aiment pas la France. C'est tout simple, ils n'aiment pas la France. Tous les immigrés qu'on a eus jusqu'alors, ils venaient, ils s'intégraient. Donc, il n'y avait jamais de problème d'immigration. Là, il y en a un. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Tout cela, on les aide. Là, vous avez des Ukrainiens actuellement en France. Hein, il faut savoir qu'ils sont mieux payés que des gens qui ont travaillé toute leur vie. Est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays sous prétexte d'humanisme ? Ben, je dis non. Voilà, c'est tout. Alors moi, je vais voter. Et pour le dire très crûment, je vais voter RN. Et franchement, je ne vois pas d'autre solution en tant que Français. Allez, on est très mal, on est plus que mal, et croyez-moi, après le 7 juillet à 20h, on risque d'être à l'agonie.